Hey, salut à tous, c'est Skyros, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, et aujourd'hui, petit gameplay sur Black Ops 2. On va essayer de se faire plaisir, petit moment détente sur PS3, c'est parti. Allez, on est parti sur la map Melton, et on va essayer de faire pas mal de bonnes choses, comme d'habitude, avec ce fichtre DSR-50 patché qui nous fait chier, mais on n'a pas le choix, bordel! Voilà, tout simplement, c'est ce que je voulais dire. Comment ça va, hein? J'espère que ça va bien, vous êtes confortablement installé. Hein, si c'est pas le cas, mettez pause, allez faire un pipi, prenez un paquet de chips, pas trop gras. Ouh merde, je croyais que j'avais un assassin tactique. Effectivement, je l'ai pas, ça me rappelle à l'ordre. Et on va essayer de les enculer, ces bâtards! Ouh, pardon. Ça commence fort avec les insultes. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Vous le savez bien, je n'ai pas l'habitude. Je suis vraiment très peu familier avec ce genre de vocabulaire grossier que pour moi je réserve à... bref, voilà, ta gueule. Donc voilà, bah, il est où lui? Allez, headshot, biatch. Ouh, il y a encore un headshot. Une petite collate headshot qui arriverait là pour moi, pour papy. Ah, merde. Ils sont que 4 en face, mais c'est sympa. Non mais c'est sympa, mais vous pouvez vous barrer, hein, comme ça, juste un mec, ça suffit. Hein. Oh boy, vous faites chier à être 4. Oula, il semblerait que quelqu'un s'est un... Ah là, il est mort, il est mort. Non, non, il est plus mort, lui. Crève-vous, toi. Il n'y en a pas un là. Ouh là là. Je t'ai buté la gueule. Ouh, un balista. Oui. Et en diamant en plus. Même pas besoin de faire la ruée vers le diamant. Je l'ai déjà. Ouh, putain, attendez, je l'ai vu. Merde. Viens là, rapproche-toi. Oh l'enfoiré! Le mec à la fenêtre, regardez-moi ça, cette grosse merde là. Ah, il attendait patiemment, hein, comme l'album de Mylène Farmer, enfoiré. Je vois pas le rapport, mais bon, c'est pas grave. Ouais, j'éclate la voiture parce que je suis un thug. Oh bâtard! Regardez-moi ça là, il campe derrière. Enfin, en même temps, il va pas camper en rochant, hein. Je vois pas pourquoi je dis ça. Il faut vraiment être un con. Alors, je fais attention maintenant parce que il semblerait qu'il y ait des énergumènes avec des mauvaises intentions. Alors, recharge. Ouh, putain. Oh là là. Là j'ai le stress. J'ai le stress d'examen. Vite, un bio de Danane. Oui, il y a du monde, il y a du monde. Eh merde. Oh, le possum, là, le bâtard, là, il a tout pris. Allez. Yes. Oh, putain. Oh, le quad fin avec le balista. Ramassé par terre. Attention, et je suis level 36, putain. Ça fait plaisir. Alors là, ce rire, mon pote, on aurait dit une voiture qui a du mal à démarrer. C'est un peu le malaise. Oh, 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 oh putain! Oh là là! Oh, ce qui se passe dans le monde là! Oh, c'est illégal! Oh, je sais pas ce qui s'est passé là, mais je n'y crois pas. C'est surprise, surprise. Le mec, il avait mis sa petite clé mort, vous l'avez vu, hein, l'autre tartanfion là. Oh putain! Et cette partie là, je l'adore. Allez, j'ai l'hélicoptère, mais on va pas le lancer tout de suite, bien évidemment. Putain, et ce qui se passe là, mon pote, c'est épique. Allez, viens là. Oh la vache! Allez, je vais recharger le balista, parce que quand même, ça s'est bien passé. Ah, ils sont tous barrés. Hey, cassez-vous, bande de grosses merdes, va. Je vous chie à la gueule, tiens. Bon, il y a l'autre irréductible gaulois, là. Qu'il est toujours avec son petit couteau, là, il insiste. Hein. Ah, le mec, il en démord pas, hein. Il veut vraiment y arriver avec son couteau, hein. Mais le pauvre, il se fait victimiser. Hein. Ah, c'est triste, hein, quand même. Hein. C'est triste. Ouais, je vais pas lancer mes streaks, hein, parce que... Ah, oh, putain, il m'a eu. Non, non, cette bonne guerre, c'est sympa, il m'a eu, c'est bien. Non, mais c'est cool, y a pas de problème là-dessus. Bon, en tout cas, je suis content. Ben, petite quad feed au balista, comme ça, l'avoir ramassé par terre, ça fait plaisir. Et donc, voilà, de retour sur... de retour sur PS3, j'ai déjà fait la vidéo retour sur PS3, et justement à ce propos, je voulais en parler parce que la dernière fois, quand j'ai fait la vidéo, ouais, de retour sur PS3, j'ai eu des théories, les mecs, non mais,
Attendez, on fait une petite pause là, une minute de silence, parce que les mecs ils m'ont sorti des théories, mais je veux dire X-Files, Illuminati confirmé. Ah, bien joué. Les mecs qui sont partis, écoutez, vous allez voir, vous allez rigoler. Ouais, il y en a plusieurs, hein, c'est même pas un seul, hein, c'est d'un plusieurs. Ils vont se reconnaître, ils vont se reconnaître dans les commentaires. Je vous fais la bise parce que franchement, j'adore, votre commentaire m'a fait bien rire. Merci à vous. Et donc, les mecs, ils sont partis du genre « Ouais, Sky Rose, tu te fous de notre gueule, tu nous prends pour un con, tu nous dis pas la vérité. » Putain, les mecs, qu'est-ce qui vous arrive et tout Oh, hein? Calmez-vous. Enfin, un peu de tenue. Eh, hey, prends-moi mes kills si tu veux, hein. C'est mes kills à moi, hein. T'as qu'à te choper les tiens, hein. Ok. Et donc voilà, bref, ils sont partis, vraiment, limite, tu vois, je leur ai craché à la gueule, tu vois, j'insultais moins. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont mangé une chaussure ou quoi? Tu nous dis pas la vérité, tu nous mens, si t'es retourné sur PS3, c'est parce que tu sais que l'exclusivité Call of Duty va passer sur Sony, etc. Oh putain les mecs! Ah ils sont partis, mais loin quoi, sur la lune. Bah, alors, je voulais répondre à ça. Alors, il y a eu des autres théories, des machins, bon, j'ai pas tout retenu parce que c'était quand même farfelu, mais dans l'ensemble, c'était quand même bien sympa. Et donc, je vais expliquer un truc, déjà. Premièrement, j'en ai fiche trop qu'une idée si c'est Sony ou Microsoft. Vous doutez bien que le patron d'Activision m'a pas rappelé en disant « Bon, Sky Rose, je t'aime bien, je vais te donner une petite exclue. L'exclusivité sera chez Sony. » Non, je le connais pas le mec d'Activision, hein, le patron. Il s'en bat les couilles de ma gueule, voilà, donc faut être clair. Donc j'en ai aucune idée, personne n'en a une idée. Vous doutez bien que c'est un truc qui est super classifié, super secret, top secret, etc. Parce que sinon on le saurait déjà. Et on va le savoir bientôt, à l'E3. Normalement je pense que semaine prochaine on est au courant, mais jusqu'à maintenant je n'en ai aucune idée. Et deuxièmement, je vous poserai donc une question à toutes les personnes qui croient au Père Noël. Si l'exclusivité passait chez Sony, dites-moi bien, vous allez répondre à la question. Là, je suis sur PS3, Black Ops 2, tranquillement, en juin. Est-ce que ça change quelque chose si l'exclusivité passe chez Sony? Genre, je vais avoir des camouflages exclusifs sur Black Ops 2 d'un coup, comme ça? Là, hein, tranquille? Qu'est-ce que ça va changer concrètement? Rien! Je suis sur Black Ops 2, je suis sur PS3. Si l'exclusivité passe chez Sony, ça concerne que Black Ops 3. On s'en bat les couilles du reste. Même si ça passe chez Sony, le fait que je joue là, c'est... Mais j'ai trouvé que la théorie, elle était tellement débile. Ça m'a fait rire, ça m'a fait rire. Désolé de vous dire ça, mais c'est vrai que c'était stupide. Mais en tout cas, bah voilà, c'est comme ça. Je veux dire, ça change rien. Je suis sur PS3. Vous doutez bien, qu'est-ce qui va se passer que si ça passe chez Sony? Tout d'un coup, il y a un miracle qui va se passer. Ils vont dire, bon alors, Activision, ils vont dire, bon bah du coup, comme c'est passé chez Sony, Sony, bah vous avez qu'à faire un petit truc. Et puis Microsoft, ils vont se faire enculer. Mais non, vous doutez bien, ça va jamais arriver un truc comme ça. Ça change absolument rien. Bon, Turbine, ça va. Donc voilà, donc c'était juste pour répondre un petit peu quand même à cette petite boutade qui m'a été laissée par commentaire. Et ce qui me faisait rire, c'est que les mecs qui ont laissé ce commentaire-là, ils y croyaient. Ils étaient vraiment convaincus que le fait que je sois sur PS3, c'est parce que je savais que l'exclusivité allait passer chez Sony. Et je ne sais pas où ils sont partis, mais bref, voilà, c'était assez rigolo, je voulais vous en faire part. Et voilà, donc c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Voilà, petit gameplay simple, tranquillement, sur Black Ops 2, où ça s'est bien passé, il y a eu un petit clip, donc ça fait plaisir. Malheureusement, il y a eu une interruption parce que j'ai eu de la visite à la maison, donc j'ai dû arrêter. Et mais je vous ai fait part également de cette petite théorie que les Illuminati, ça y est, c'est confirmé grâce aux commentaires, on le sait. En tout cas, j'espère que cette petite partie-là vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis, laissez un petit commentaire, suggestion pour les vidéos futures, ça fait plaisir, petit pouce vert également, ça fait plaisir, c'est la récompense, et pour ma part, je vous laisse, je vous souhaite une excellente journée, que Dieu bénisse, que bonne chose, et je vous dis à la fois prochaine, allez, ciao, bye bye.